Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la salle Cortot pour le concert des lauréats du diplôme supérieur de concertiste de l'École normale de musique de Paris. Donc vous allez entendre ce soir tous les candidats qui ont été récompensés de l'unanimité ou des félicitations du jury. Pour vous situer un petit peu ce diplôme, donc c'est la plus haute récompense que l'on puisse obtenir ici à l'École normale. Elle est accessible, la formation est accessible sur conditions très strictes. Elle est en 2 ans. Le récital, l'épreuve en elle-même, est constituée d'un récital libre de 45 minutes. Les candidats doivent constituer eux-mêmes leur programme. Et bien sûr, ceci dans le but de les mettre dans des conditions de concert, dans des conditions donc professionnelles, pour les préparer à leur futur métier. Nous allons donc commencer ce soir par entendre le groupe de musique de chambre qui a obtenu l'unanimité au diplôme supérieur de concertiste de musique de chambre. C'est le trio Indigo. Il est composé de Christine Avila Martinez à la flûte, Antanas Maxtoutis à la clarinette et Misato Takeda au piano. Et ils ont préparé leur épreuve de concours dans la classe de Nina Patarchek. Ils vont vous interpréter le trio numéro 1 de Russell Peterson, une œuvre de 2007 en 3 mouvements, moderato, andante et allegro pour finir.
Voilà, après cette introduction particulièrement dynamique, nous allons enchaîner avec une œuvre tout à fait différente, une œuvre pour violon seul, qui s'appelle Paganiniana, qui est en fait un thème et variation, une suite de variations sur des thèmes du célèbre, célébrissime virtuose et compositeur du XIXe siècle contemporain d'Hector Berlioz, Antonio Paganini, dont on connaît très bien les caprices et dont on sait à quel point la virtuosité est en avant dans ses œuvres et combien c'est difficile, mais tout l'art du violoniste consiste précisément à faire croire que tout ça tombe sous les doigts et que c'est d'un jeu d'enfant de jouer cette musique avec le plus grand bonheur. Donc c'est cette œuvre je vais pas arriver à le dire, Paganiniana, voilà, a été composée par un autre virtuose du violon, celui-ci du XXe siècle, Nathan Milstein. Ces variations donc, vont être interprétées par Yoko Ishikura, qui a obtenu donc l'unanimité au diplôme supérieur de concertiste de violon, et elle a travaillé cette année encore dans la classe de Régis Pasquier.
Voilà, le violon n'a pas pris feu, mais comme vous avez pu le constater, quelques crins de l'archer ont lâché en route, ce qui est assez classique dans ce genre d'œuvre. Nous allons passer à tout à fait autre chose maintenant, puisque nous allons passer à de l'opéra. Nous allons entendre l'air d'Aleko de l'opéra éponyme de Rachmaninov. Alors, c'est intéressant tout de même de savoir que cet opéra en un acte a été écrit en à peine plus de 15 jours. Par Rachmaninov dans le cadre de son diplôme de fin d'études au Conservatoire de Moscou. Donc on est aussi un peu ici dans un diplôme de fin d'études, même si c'est fin d'études plus plus. C'est Dongnam Huang qui va chanter cet air. Dongnam Huang est basse. Il est accompagné au piano par Gens Tukichi et il a préparé son diplôme dans la classe de Jean-Philippe Courtis.
Thank you.
La simple évocation des titres des œuvres que nous allons entendre par la suite déjà nous transporte dans un univers poétique tout à fait différent de ce que nous venons d'entendre. Il s'agit de deux préludes de Claude Debussy, pour commencer un premier prélude qui s'appelle Les collines d'Anna Capri. Le second prélude que vous entendrez s'appelle Ce qu'a vu le vent d'ouest. Et ces deux préludes seront suivis par ensuite une œuvre célèbre de Debussy qui s'appelle L'île joyeuse et qui a été inspirée par le tableau de Watteau, Le pèlerinage à l'île de Cythère. Ces pièces de Debussy donc sont interprétées ici par Tsubasa Tatsuno au piano, qui a obtenu donc son diplôme supérieur de concertiste à l'unanimité dans la classe de Bruno Rigouteau.
Évidemment, nous sommes peu nombreux ce soir dans la salle, mais nous donnons tout notre cœur pour applaudir ces jeunes artistes aux talents non négligeables. J'imagine que si vous étiez avec nous, vous en feriez autant. Nous allons passer maintenant à un tout autre style de musique. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes assez habitués à avoir de la musique chez nous à domicile par tous les biais divers, depuis la cassette, le disque, le compact disque et aujourd'hui le streaming. D'ailleurs, vous nous avez chez nous aujourd'hui par ce biais. Il fut un temps où, évidemment, diffuser la musique était beaucoup plus compliqué. Avant la radio, et donc le meilleur moyen de diffuser la musique était de passer par l'édition de partitions, et avait pour intérêt de faire d'une part la promotion d'ouvrages qui pouvaient se diffuser dans les théâtres et donc inciter le public à y aller, et d'autre part à assurer le succès de certains compositeurs en réutilisant des thèmes d'ouvrages à succès eux-mêmes. Donc ce phénomène évidemment commence beaucoup au XIXe siècle, notamment avec les musiques de bal, l'utilisation d'extraits d'opéra, d'opéra comique, d'opéra bouffe dans les quadrilles, dans les polkas, dans les valses. Prétexte pour les éditeurs pour publier des arrangements pour piano, voire violon-piano, voire toutes sortes d'arrangements possibles et imaginables. Mais il y a aussi un autre phénomène musical qui a permis aussi la promotion de ces ouvrages, c'est la variation et la fantaisie. Alors la fantaisie a souvent la destination aussi d'être au passage une œuvre virtuose sur des thèmes célèbres. On connaît volontiers les fantaisies sur Carmen pour violon, pour flûte également. Un peu plus proche de nous, les fantaisies sur des thèmes d'opéra de Verdi, comme les Vêpres siciliennes de Pasquali pour le hautbois. Nous allons maintenant entendre une fantaisie de concert, Fantasia da Concerto, sur des thèmes de l'opéra de Verdi, La Traviata, par un compositeur qui lui-même était flûtiste, même si c'est bien de la clarinette que nous allons entendre maintenant, Donato Lovreglio, et qui de mieux que l'italienne Valeria Benedetto à la clarinette pour nous défendre donc cette fantaisie sur des thèmes de La Traviata de Verdi. Elle est accompagnée au piano par Kanako Ono et elle a eu son diplôme à l'unanimité dans la classe de Patrick Messina.
L'œuvre suivante d'Igor Stravinsky sera certainement familière de ceux d'entre vous qui pratiquent, qui vont souvent au ballet, à l'opéra. Il s'agit des trois pièces, des trois mouvements de Petrouchka, donc d'après le ballet éponyme. Stravinsky avait en tête d'écrire ces trois pièces pour piano, c'est-à-dire pas dans l'idée d'une transcription ayant pour objet d'imiter l'orchestre, mais bien une pièce profondément écrite pour le piano. Sans doute, quelque part, avait-il dans l'idée aussi de faire jouer sa musique par les pianistes. Je ne sais pas s'il y a réussi, compte tenu de la difficulté de cette pièce. Moyennant quoi, vous allez certainement vous faire une idée, malgré tout, de l'orchestre, pour ceux qui connaissent déjà cette pièce-là. Elles sont jouées donc par Alexandre Kliouchko au piano. Il a obtenu son diplôme supérieur de concertiste à l'unanimité dans la classe de Rena Cherechevskaya.
Nous voici de retour à l'opéra maintenant avec Mozart, les Noces de Figaro, l'air du comte Hai già vinta la causa, que l'on peut traduire littéralement « tu as déjà gagné la cause » ou « l'affaire est dans la poche », comme vous voudrez. En tout cas, ce sont les mots que surprend le comte dans la bouche de Suzanne, en train de glisser cela à Figaro, qui est dans une situation un peu compromettante, avec une promesse de mariage qui n'était pas franchement prévue. Et Suzanne essaye un tout petit peu d'arranger la chose en faisant preuve de gentillesse auprès du comte. Seulement, voilà, le mot est surpris, le comte rentre en fureur, il est très mécontent, il va bien sûr essayer de se venger et de faire tourner l'affaire à son avantage. L'air de Mozart sera ensuite suivi d'une mélodie d'un compositeur chinois, Lu Zaiyi. Alors, mon mandarin étant un tout petit peu rouillé, je vais vous donner le titre en français. J'aime bien cette terre, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent dire la même chose. C'est Sen Ren qui va chanter ces deux airs, ces deux mélodies, baryton. Il a obtenu son diplôme de concertiste, supérieur de concertiste à l'unanimité avec les félicitations du jury, dans la classe de Marie-Thérèse Keller, et il est accompagné par Akiko Koizumi au piano. Già vinta la causa, cosa sento? In quell'occhio io cadea. Perdi, io voglio di dar moto punirmi. A piacer mio la sentenza sarà. Thank you.
Thank you.
Eh bien voilà, la force de l'habitude m'a fait vous annoncer Akiko Koizumi au piano. Akiko Koizumi qui est habituellement en charge de l'accompagnement de la classe de Marie-Thérèse Keller. Mais ce soir, c'était bien la tout aussi excellente Cao Chuli qui accompagnait Rensen. J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage tout à fait appuyé à nos accompagnateurs ici à l'École normale qui font un travail tout à fait formidable. Vous en avez entendu un certain nombre ce soir et vous allez entendre encore d'ailleurs Alexandra Matvievskaya tout à l'heure qui va accompagner notre dernière lauréate dans des pièces de Martinou. Ces pièces de Martinou, donc il s'agit de variations Rossini, donc des variations sur des thèmes de Rossini. Vous verrez qu'ils sont assez amusantes, pleines d'esprit, beaucoup d'humour, tout à fait dans l'esprit du maître de l'opéra bouffa italien. Et ces pièces de Rossini seront précédées du premier mouvement de la sonate pour violoncelle et basse continue de Boccherini. Donc, dans un tout autre style, ici, donc Polina Streltsova sera accompagnée par Alexa Ciciletti, qui va se charger de prendre la partie de basse continue au violoncelle. Donc, Polina Streltsova a obtenu son diplôme supérieur de concertiste à l'unanimité avec les félicitations du jury, et elle était dans la classe de Henri de Marquette. Thank you.
vraiment.